Salut tout le monde, j'espère que... Qu'est-ce qu'il fait ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le haul de rentrée. Parce que c'est à la rentrée, j'ai acheté 2-3 petites choses. Donc je vais vous présenter tout ça maintenant, c'est parti. Premier article, c'est donc un polo de concours à manches longues. Parce que à la rentrée on attaque l'automne, l'hiver, etc. Et donc sous la veste de concours c'est toujours pas très pratique d'avoir plein de couches pour se tenir chaud en hiver. Du coup, un petit polo à manches longues, c'est vraiment la bienvenue en ces temps froids, etc. Donc c'est un Equitem que j'ai trouvé en promotion en septembre. J'ai eu à 25,48€, il était à 50% sous la veste, ça passe très bien, c'est parfait. Ensuite, on va donc continuer dans tout ce qui est univers cavalier. Je vais donc vous présenter tout de suite un pantalon que j'ai trouvé sur Previsport. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo à ce sujet, n'hésitez pas, je vous mets dans le petit lien juste au-dessus. Un pantalon de la marque Hervé Godignon que j'ai trouvé donc à 10€ sur le site. Il est en super état et franchement il fait bien l'affaire. Elle est bas en lycra comme vous pouvez le voir. Franchement super achat pour la rentrée. Je l'ai eu donc à 10€, je sais plus si je l'ai déjà dit. Troisième article, c'est donc encore un pantalon que j'ai trouvé sur Previsport. Celui-ci je l'ai trouvé à 15€, c'est donc un pantalon de chez Hervé Godignon. Donc il est comme ceci en fait, sur le site je l'avais vu blanc et du coup je pensais qu'il était blanc, sauf qu'il est plus blanc cassé, beige. Donc je l'ai mis à un concours, ça choque pas, mais c'est voilà. Et c'est quand même pas très blanc, donc voilà, donc, avec les bas en lycra noir comme ceci. Donc voilà, je pense que celui-ci je vais le revendre malheureusement parce que déjà il est un petit peu grand pour moi et puis bah je peux pas le mettre en concours et à la maison bah c'est trop salissant. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, je le mets donc bientôt sur ma sellerie en ligne qui est dans la barre d'infos. Dernier article concernant le cavalier, c'est donc un article que j'ai trouvé sur Private Sport Shop. Private Sport Shop, qu'est-ce que c'est ? C'est dur à dire. C'est donc un site en ligne qui regroupe plein de sports et donc qui regroupe plein d'articles déstockés de marques de sport, donc que ce soit du surf, du ski ou alors de l'équitation. Et des fois il y a des articles très intéressants comme AG ou alors GPA ou PM le Prévost, enfin bref, c'est vraiment hyper intéressant. Il y avait une vente privée de AG, il y avait des pantalons qui étaient un petit peu chers, il n'y avait plus de tailles, mais par contre il y avait un super sweat qui est comme ceci, donc c'est un sweat de chez AG qui est donc en gris très clair. À l'intérieur c'est super super chaud, c'est de la polaire. Et franchement pour l'hiver c'est super bien parce qu'il colle bien au corps, c'est la bonne taille, etc. Il est donc à capuche, je l'ai eu à 14€ au lieu de 50, et il est tout neuf, parfait. Donc maintenant on attaque tout ce qui est domaine du cheval, il y a trois articles. Premièrement donc je me suis acheté un filet sur Previsport pour les chevaux que je monte à Paris, parce que bah, à Paris je monte plus que des chevaux et du coup j'avais pas de filet taille cheval, tout simplement parce que tous les filets que j'ai c'est taille cob pour Rosario, etc. Du coup j'avais vraiment besoin d'un filet pour les chevaux du club. Du coup c'est donc un filet que j'ai trouvé sur Previsport à 40€ au lieu de 70. Il est un tout petit peu abîmé au niveau des finitions, de tout ce qui est donc, les petits bouts pour les réglages, etc. C'est donc un filet de chez Orca en taille full. Et oui. Il est donc choco avec le frontal et la muserolle avec des détails à paillettes. C'est donc un filet à muserolle full back. Et avec ça, la dame qui donc, vendait le filet m'a envoyé les rennes qui étaient assorties. Je les ai pas achetées, enfin je les ai pas payées les rennes, mais elle me les a envoyées parce que bah voilà. Donc en fait ce sont des rennes comme ceci, en fait ce sont des rennes à arrêtoir et à grippe. Donc ce sont des rennes toutes fines comme ça que vous pouvez par exemple utiliser en cross quand il y a de l'eau, ça glisse pas, etc. Comme celle en caoutchouc, donc ça c'est super pratique et elles sont très fines, alors j'adore. Et surtout en fait la particularité de ces rennes c'est tout simplement qu'au bout il y a des petits détails argentés comme ce qu'il y a sur le filet. Et donc voilà, ça rappelle un petit peu le filet, c'est juste génial. Et j'adore ces rennes parce qu'elles sont super fines. Et maintenant je crois que je les préfère en rennes en caoutchouc. Ensuite, avant-dernier article que je vais vous présenter, c'est encore un article de chez Private Sport Shop. Celui-ci c'était des ventes privées de la marque Guerra, c'est une marque de protection. Donc oui, ce sont des protections que j'ai prises. Je voulais donc avoir des protections en noir et pour aussi les chevaux de mon club, tout simplement parce que toutes mes affaires sont en taille cob. Mais malheureusement, en fait, la vente Private Sport Shop, je l'ai passée début septembre, j'ai reçu donc mes protections début octobre. C'est très 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 longue livraison, donc ça a pris un mois à peu près. Et j'étais un peu déçue parce que quand je les ai reçus, c'était en taille full et j'ai commandé en taille cob, donc c'est un chouïa trop grand pour Rosario. La particularité de ces guettes, c'est déjà le prix, tout simplement, parce que je les ai eu à 50€ au lieu de 100. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, c'est une marque allemande. Tout le contour, il est en argenté, ce qui rappelle un peu le film.
filet. Aussi, la grande particularité de ces guêtres, ce sont de l'intérieur. C'est dans l'intérieur un mémoire de forme. Donc là, on ne voit pas, mais quand on appuie, bah, c'est comme vous auriez mémoire de forme. Et voilà, elles sont super renforcées. Ici, il y a des petits détails, le logo de la marque. Là, c'est le modèle Dolphin Pro, le coloris Glamour. Et ensuite, dernier achat que j'ai fait. En fait, ce n'est pas du tout un achat parce que tout simplement, je l'ai eu gratuitement. C'est une marque qui lui a envoyé. Ce n'est pas un partenariat ni rien. C'est donc une marque qui m'a envoyé, mais en fait, c'est simplement parce que j'ai passé un abonnement chez un magazine, donc c'est Cheval Magazine. Et en fait, chaque mois, quand tu passes un abonnement avec un petit coupon qu'on peut trouver dans les magazines qu'on achète, il y a chaque fois des petits cadeaux avec. Et donc ce mois-ci, j'ai acheté mon magazine parce que le thème m'intéressait. Et à l'intérieur, il y avait donc, si on passe un abonnement pour 19 mois, c'est un mensuel, et ben on avait donc un tapis Pénélope croisé paddock offert. Donc. Du coup, bah, j'ai passé l'abonnement et j'ai reçu ce tapis donc en payant juste l'abonnement. Et d'ailleurs, l'abonnement, je l'ai payé moins cher que normal. Enfin bref, voilà. C'était une super affaire. Donc, j'ai eu ce magnifique tapis. La base, c'est un paddock. Et en fait, les logos, c'est Pénélope Le Prévost, Pénélope Store, croisé Paddock Sport. Donc, ça rappelle un petit peu les guêtres et le filet. Donc, c'est juste parfait. Donc, voilà, c'était juste pour le tapis. C'était une édition limitée. Vous pouvez pas le retrouver sur les sites, etc. J'ai cherché. Il n'existe pas sur les sites. Bon, je l'ai pas trouvé avant, quoi. Enfin, bref, voilà. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. D'habitude, les hauls, ça vous plaît assez. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous à vous et à votre poney. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!